Il y a Hawk qui est en train de se faire contrôler au niveau du parking rouge. Sur votre gauche, du côté de l'hôpital, il y a mon taxi qui est... Le taxi est ouvert, ok. Je vais lancer des fumis. Profitez de cet instant-là. Soit vous leur mettez des balles, ou soit vous montez directement d'accès et vous fuyez. Je balance. Il y a une traite braquée. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi ça? Mettez-vous dans les habitants, faites-vous oublier. Ce que je veux dire, justement, le maroquino là, c'est un mec que j'ai rencontré, c'est le un des emblées de Sakharov. Il m'a dit comme quoi le Tom Hort, tu sais, le crête rouge là, il lui avait donné 14 000 $ sur le parking central, alors qu'il le connaissait même pas. Soit disant, il avait de l'argent écoulé et qu'il avait peur de se faire attraper par le fisc. D'autant plus que Riles m'a rapporté que Hort se faisait appeler aussi Hibou, ou bien Kane. Hibou, ça vous rappelle pas quelque chose? Quand je parlais avec le doc, il m'a dit que quelqu'un avec une tête de Hibou s'était rapproché de lui pour justement attraper Doucet. Ça veut dire que Hibou c'est Hort, et Hort fait partie du gang. Je pense du black market. Donc Hort, il va mourir, Serbie va mourir. Howard, le chef de l'hôpital, il est proche de Hort. Howard et Hort, ils font des courses sur l'autoroute. Ce véhicule là, c'est impossible que tu le retournes. Et c'est un putain de tank, frère. Attends, tu te rappelles Alvarez, il fait passer son PPA dans son véhicule personnel parce qu'il a peur de revenir à l'hôpital. Ouais. Parce que j'ai eu de gros soupçons sur lui. Alvarez, il est super proche de Sakharov. Dans l'hôpital, il y a le cousin de Gino qui y travaille. C'est le meilleur pote de Sakharov. Tu penses qu'il y a moyen que un peu comme aussi? Ouais. Yazid, il s'est pris deux balles dans le corps. Moi et Djibril, on est ambulanciers, ok? Ça veut dire que les mecs qui arrivent, par exemple, pour des blessures par balle, nous, si un jour on a quelque chose contre eux, on peut les buter en fait. On utilise une arme blanche, un truc comme ça, un scalpel, on peut les finir en fait. Elle m'a suggéré en fait l'idée de faire une mise en scène de ta mort où on te filme. Mais moi, frère, je vais faire encore mieux que ça. Le Hort, quand on va le buter, je vais lui demander de me donner sa carte d'identité et pendant tout ce temps-là, je filmerai, tu vois. Et au moment où il me donne sa carte d'identité, moi, ce que je ferai en fait, c'est que je mettrai la tienne par-dessus. Alors, en fait, je vais me faire passer pour un flic, genre. Ripou, tu vois, et à ce moment-là, on va vraiment le buter, tu vois, et comme ça, les flics, en fait, bah, tu seras mort, en fait, tu vois, définitivement. Frère, c'est ce qu'il faut faire, faut qu'un anesthésiste aille chercher les compresses de Ben. Quoi, t'as Ben, il simule une hémorragie, il l'emmène d'urgence à l'hôpital, nous, on braque l'ambulance, et on l'amène à un endroit, Ben. T'es où, toi, en fait? À la plage, là où on était. Moi j'ai pris mon service. Ouais. Mais frère, je suis dégoûté, putain, j'ai même pas tapé 24 heures de journaliste, j'avais des projets et tout et bam, hasta la vista, bébé. Tu peux pas aller prendre ton service en tant que journaliste? Je peux pas prendre mon service, c'est juste que je vais me faire têche de journaliste et tout. Pourquoi? Bah parce qu'ils vont aller dire, écoutez, on a voulu contrôler un employé de chez vous avec la camionnette Phoenix News. Ah merde. Il a pas voulu. Ah ouais, t'es avec ta camionnette? Ouais. Ah ouais. Et même, de toute façon, même si t'es pas avec ma camionnette, hier les flics te rappellent, j'ai écoutez, on a voulu contrôler quelqu'un et puis le caméraman de Phoenix News nous a tiré dessus. Ah mais ouais, mais même Yazid, c'est le caméraman, j'avais oublié. Mais lui aussi va se faire têche. En fait, ils vont dire, vous recrutez des gens vraiment très bizarres. Ils nous ont agressés, ils nous ont étouffés. Ah ouais, putain, c'est la merde, on a... Je comprends rien. Frère, tu sais que... Je te rappelle le plan que j'avais proposé. Je crois que je vais le mettre en exécution, là. Ça tient trop, là. Non. Je fais rien, tout ça. Non, je fais rien solo. De toute façon, j'en parlerai toujours et on fera toujours tout ensemble, y'a pas de soucis. Mais pour Ben, il faut le sortir de là, hein. Parce que tu me dis qu'il est chez les flics, là. Faut voir qu'est-ce qu'il en est. Genre, pourquoi déjà t'étais en train de parler avec je sais pas qui? Tu m'as dit qu'il est sorti de l'hôpital alors qu'il devait rester 3 jours, ils lui ont dit. Je sais pas, voilà, j'en sais rien, je sais pas du tout. C'est Camille Fleury, c'est Camille Fleury, ouais. D'accord, bah il faut se voir alors qu'est-ce qu'il m'a dit. Elle a extrait 2 balles, et puis après, et c'est Ben apparemment qui aurait insisté pour sortir de l'hôpital. Pour sortir, soi-disant. Ah, il a pas réfléchi. Bref, il faut se renseigner alors qu'est-ce qui va lui arriver maintenant. Faut voir qu'est-ce qu'il a fait. Est-ce que t'as eu des infos de qu'est-ce qu'il a fait là? J'en ai aucune idée. Mais Riles était sur place, il a expliqué. Allô, allô. Ouais, Riles. Ouais. Toi qui étais sur place, Ben, il a fait quoi? Je sais pas, juste entendu vite fait le flic dire que ça a tiré. C'est ce que j'ai entendu. Riles, t'es où? Tout le monde est parti courir de son côté et toi t'as entendu des tirs, c'est tout. Ouais, c'est ça, okay. C'est tout. Et moi je me suis plaqué au sol en mode je suis un innocent. Ouais. T'es où, après, t'es où, Riles, là? Là, je suis. En fait, j'ai perdu ton véhicule là. Sauf que ton véhicule, il y a des trucs dedans, du coup, il faut que tu me le sortes. Quoi? Comment ça, les trucs dedans? J'ai mis des sacs à l'intérieur, des sacs à patates. Non, mais toi. C'est au supermarché qui t'en bat les couilles. Non, ça c'est pas au supermarché. Mais c'est un sac à patates, moi, je veux dire. Attends, t'as mis des trucs. Ouais, mais je me rendais au garage et puis après, grosse migraine et. Ok, je veux un dédommagement, j'en ai rien à foutre. Toi, t'es fou, toi? Ok, ça va. Je veux 2 000 $. Combien? 2 000. Allo? Ouais, t'allais me foutre dans la merde, t'es sérieux, toi? Mais non, pas te foutre dans la merde. Contrôle du véhicule, hop, c'est celui-là de Intel. Ah oui, non, mais attends. Frère, c'est un sac de patates. J'explique pourquoi ils sont dans ton véhicule. Ils sont dans ton véhicule parce que je peux pas emporter beaucoup sur moi, ça prend trop de place. Ah bah oui, forcément. Parce que j'ai des zips sur moi, j'ai déjà un sac. Viens me chercher à l'hôpital, s'il te plaît. Bah du coup, je peux pas venir te chercher, je vais pas. Bonne chance, je t'entends. Oh, mais t'es où? Ah, je suis, tu sais, vers le grand parking au niveau de l'ouest de la ville là. Je suis un peu loin de la plage en fait. Là, je vais courir sur la grande rue. Au pire, je vais demander à Anastasia de venir me chercher.
Riley, c'est juste une question. Dis-moi. Là, tu t'es mis à plat ventre tout ça, mais imagine si t'es parti en couille, t'aurais fait quoi? Comment ça? Bah, imagine, y aurait eu confrontation, on aurait sorti tous nos armes, les flics nous auraient braqué, on les aurait braqués. Je reste au sol. Oh là, t'es sérieux? Ouais, je reste au sol. Attends, je t'explique pourquoi. Parce que, imaginons qu'il y a un problème, vous avez plus, y a plus aucun, y a, on a plus personne qui est clean après. D'accord, ça veut dire on va tous aller en prison et toi tu seras clean quoi. Justement, non. Ah ouais. Parce que si vous êtes tous arrêtés, il faut bien quelqu'un pour faire en sorte qu'il y ait un plan qui se fasse, non? On a plein de contacts à côté. Ouais, t'inquiète, il est tranquille. Okay. C'est cool. Ouais, pas de soucis. Je voulais pas, $2000 pour mon véhicule. T'es pas. Le mec il se couche, en plus il met des trucs dans mon coffre, il perd ma voiture. Vas-y, psa t'es quand? La salope. La salope. What the fuck? Attends, je vais essayer d'appeler Anastasia. Ma meuf sûre du game. Mais la personne qui n'allume poste. Pas son téléphone. Donc c'est pas vraiment quelqu'un de sûr. Je suis bientôt au parking moi de toute façon. Si bon, j'ai dit à Marocino de venir à l'hôpital. C'est un taxi. Ah, c'est peut-être lui que j'ai croisé tout à l'heure. Mais il a pas un costume noir avec une cravate rouge? Ouais, c'est ça, ouais. Ah, parce que tout à l'heure il m'a fait une course gratuite. Ouais, il m'a dit ouais, vas-y, je te dépose ici, tiens, tranquille, pas trop compris. Que toi beaucoup de salopes, hein. Wesh. Bon, mais... rien vu. Qu'est-ce les gars, Anastasia, elle a pas de nichon. Elle a un torse de bonhomme. What? Non. Tu t'as vu Anastasia au parking? C'est pas ce que tu crois, je te jure. C'est toi, Anastasia. T'as pas de boobs. Dick, t'es d'accord? Y'a un problème. Mais je croyais que le problème était résolu. Non, va te changer, va mettre la pâte à modeler. Je vais aller mettre ma tenue de service. Ouais, c'est quoi ça, frère? Voilà. Déjà, hier, elle m'a montré qu'elle avait une perruque, c'est même pas des cheveux qu'elle avait. Faire ça, quand même, hein. Vas-y, Anastasia. Je fais juste que j'ai plus de poitrine, quand même, hein. Ah ouais. Je sais pas si vous remarquez quelque chose d'anormal. Viens, on discute vite fait, s'il te plaît. Ouais. Vas-y, viens, on monte dans le taxi. Merci, ouais, Karim. Tu peux nous déposer dans le magasin de vêtements en scred? Ouais, allez, on y va. Et tu sais, quand on est arrivé, il n'y avait pas de barrage ni rien. Attends, il était. Ouais, mais je sais pas, ils l'ont enlevé. Ouais, je crois qu'ils l'ont enlevé ou je sais pas, tu vois. Oui, ils l'ont enlevé, hein, j'étais là. Ah ouais, bah tu me raconteras ça tout à l'heure, Anastasia, du coup, ce que t'as vu, toi. Ouais. Ne vous fiez pas à mes apparences. Hein. Merci, Karim. Eh, Karim, vas-y, viens. Viens. Je sais pas, c'est qu'un petit billet, tu nous as pas mal aidé, frère. Non, t'inquiète, j'ai pas. C'est bon, tranquille. Pour la daronne, tout ça, au calme. Allez, vas-y. Allez, tiens, frère. Ah, merci, tu gères. Vas-y, on se capte, hein, si on est au courant. Allez. Écoute. Pouh. J'ai un peu changé de sexe quand même. Pouh. Ah ouais. Putain, là, ça fait vraiment bonhomme, hein. Mets un béret, rajoute un béret ou une casquette. Attends. Tu veux pas que je vous redépose après? Ouais, si tu vois des trucs intéressants, n'hésite pas à m'en faire part, ouais. Ouais, vas-y. Vas-y, ça marche, merci, hein. Attends, j'ai un problème de main. Ouais, t'as pas de main là. Mais toi, il t'arrive quoi aujourd'hui, wesh? Mais je sais pas ce qui m'arrive, putain. Pourtant, c'était réglé tout à l'heure. Ah ouais. Ah non, celle-là, ça va pas du tout. On va aller récupérer ton véhicule ou le mien au parking central, ok? Ouais, ok. Oh putain, mais j'en ai marre, c'est quoi ce délire? Attends. Ah, je vais faire ça là-bas, dire. Vas-y. Ouais, y'a moi que tu nous déposes après, s'il te plaît, au parking central. Elle en a pour 5-10 minutes pour changer. Attends. Vas-y, merci. Why? Vas-y, ça passe, hein. Je mets une petite paire de lunettes, hein. Ah, vas-y, ouais, lunettes, ouais. Eh, mets une chaîne en or. Attends, ouais. Chaîne en or. Attends, ouais, grave. Attends, mais Anastasia. Ouais. Il s'est passé quoi avec ton corps, en fait? Bah, écoute, je sais pas ce qui m'est arrivé pendant la nuit, mais visiblement, on a transformé tes fantasmes en réalité, là. Bon, c'est vrai que je te disais que je voulais que tu sois un bonhomme, mais là, c'est un peu abusé, quoi. Oh putain, non. Ah c'est chaud là. Putain. Ah putain. Fleury, sors de ses corps. Bah t'sais quoi, on s'en fout de la c'est chaîne. C'est grave. C'est bon, on s'en bat les couilles de la chaîne, tu vas galérer de... Attends. Eh, du coup faut que tu parles avec une voix de bonhomme. Fais une voix de bonhomme pour voir si c'est cool. Ouais, tu fais quoi? Ouais, pas mal, ça le fait. Vas-y, nickel. Vas-y, on fait comme ça. Ouais. Ouais, attends, faut que je mette des lunettes. Ouais. Après, faudra que tu sautes parce que t'as un chewing-gum. Ah ouais, stylé. Oh, c'est bien ça. Attends. Eh, hey, ça va ou quoi, ma gueule? Ouais, ça va, tranquille, toi. Allez, t'as pas une petite clope pour Bibi là? Ouais, si, toujours. Un gros paquet bien chargé. Vas-y, je t'attends dans le taxi. Vas-y, on l'attend vite fait là. T'as un chewing-gum, saute. Ouais, t'inquiète, on fait ça après. Ok, let's go. Ouais, parking. Ouais, parking, ouais. Putain, du coup, ça me casse la tête. Cette histoire de barrage à l'hôpital et tout. Ouais, mais je sais pas, ils sont. Ils sont énervés. Bah, en fait, j'ai appelé Aaron, le flic, tu vois. Il me dit, ouais, je me suis pris de la lacrymo, etc. Suite à un contrôle d'identité qui est parti en couille. Ouais, je sais pas trop. Pour rien, c'est
Je sais pas, on est en... Normalement c'est en code jaune. Je me suis fait contrôler s'il te plaît, tu sais quand t'es venu me chercher tout à l'heure au parking. J'étais en train de me faire contrôler par les flics. Parce que j'étais en train de marcher, ils m'ont dit ouais contrôle d'identité, on a des clandestins. Ouais c'est bon, j'suis en train de marcher. Faut pas me saouler pour ça quoi. Ouais mais après ils s'étonnent pourquoi ils sont maltraités en fait. C'est nimp, bah ouais. Encore il y aurait eu des dangers ou quoi, des menaces, d'accord, mais là y'a rien. C'est ça tu vois, je pige pas. Hein. Ah moi, oh, ils rigolent pas avec moi. Ah ouais, tu vas faire quoi? Je suis arrivé avec le barrage, ils voulaient me dire ouais tout, ouais je sais pas ce qui s'est passé machin, nanana, je lui dis non mais qu'est-ce qui s'est passé ici, il me dit ça vous regarde pas. Ah ouais. Si vous êtes sûr? Ah il m'a tout balancé. Putain, il t'a raconté au final ce qui s'est passé ou pas? Bah il m'a dit qu'il y a un mec qui est arrivé, qui a tiré sur les flics. Wow. Et qu'ensuite après ils lui ont tiré dessus. Ah ouais, ok. Vas-y merci, merci Karim. Pas de soucis. Ouais, vas-y, c'est encore. On se recapte après. On n'arrive pas à sortir. Vas-y. Attends, je mets mon petit truc là. Vas-y, remets ta casquette là. Je crois que tu l'as fait tomber quand t'es rentré. Ouais, c'est un bonnet, ça passe. Oh, ouais, t'inquiète. Tu peux parler normal. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais te dire justement. Ça va mieux. Ah ouais, c'est vrai. Bah, déjà que je t'ai vu maintenant sans poitrine. En plus, la grosse voix, voilà quoi. Arrête et tout, ouais, je comprends pas trop ce qui m'arrive là, c'est ça. Merde. J'ai l'impression qu'il y en a, ils sont abusés avec mon corps pendant la nuit. Je te jure. Du coup, t'as vu quoi? T'as vu quoi toi, c'est-à-dire? Bah, en fait, je suis arrivé, il y avait un putain de barrage juste devant. Je suis dit, what the fuck? Et quand je suis arrivé, bah, j'étais comme tu m'as vu quand on s'est croisé. Ah oui, j'étais un peu surpris. Ah oui, je comprends. Donc ils t'ont pas reconnu en fait, vu que t'avais pas de boobs ni ah rien quoi. Non. Ah ouais. Non, il m'a dit bonjour monsieur et tout. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah c'est bien ça. Chaud. Ok et, ok. Bon, je pense que ça va être de courte durée ça. Ouais bah oui. Mais du coup, qu'est-ce que t'as appris par rapport au truc quoi? Alors les informations que j'ai, c'est que c'est un certain Yazid, je sais pas quoi. Mais oui, mais c'est Ben, c'est Ben. D'accord, c'est okay, Ben, ouais, c'est Ben, ouais. Okay. Bah, apparemment, c'est Ben, il aurait reçu 2 balles. Putain. Alors, ça, c'est la version, comme quoi il aurait reçu 2 balles. Mais moi, le mec du LSPD, il m'a dit, ouais, comme quoi il aurait tiré sur des membres du LSPD et ouais, qu'ils l'ont tiré dessus et ils sont venus le chercher à l'hôpital. Ah, ok. Écoute, là, ça te dérange il pas si porté, hein. On va passer série LS pour réparer ma voiture, donc tu prends ta voix de bonhomme, ok? Ouais, vas-y. T'es jamais monté dans cette voiture là? Ah, non, jamais. Ah, elle bombarde. Elle bombarde. Ah, cette couleur là. Et j'ai acheté un autre véhicule au fait, hein. J'ai acheté le truc militaire et j'ai acheté encore une autre berline, hein. Eh putain, mais t'es plein aux ailes, toi. Ah bah, plus maintenant. Ah bah, ça va vite, ça, c'est vrai. Plus maintenant. Ah, c'est vrai, ça part super vite. Ah, c'est la merde. En fait, tu t'appelles comment? Howard. Howard, vas-y. Ah, mais Howard, c'est le chef de l'hôpital. Viens, on trouve un autre prénom. Ah merde, ouais. Ouais, Franck. Franck, vas-y, Franck. Ça va, Franck. Riles, je te présente Franck. Bonjour. Ouais, bonjour. What? Ouais, c'est Franck. Je t'expliquerai après, t'inquiète. Ok, enchanté. Bah, je crois que... Attends, viens voir vite fait. Qui? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais dis pas que c'est qui je pense que j'ai entendu. Tu me dis pas avec qui tu parles à la radio. Qui ça? Je dis pas qu'elle s'est fait enlever les seins. Viens. C'est bon, joue le jeu, tranquille. Fais comme si tu la connaissais. Ouais, non, mais ok. Ah, t'aurais pas une petite clope pour moi, Francky? Ouais, j'en ai toujours sur moi là. Bah, attends que je t'en fais l'une. Allez, ça marche. T'es mon gars sûr. Ah, merci. Allez. Oh putain, c'est des. Toi, c'est de la bonne. C'est des Philippe Maurice, ma gueule. Ah ouais, mentholé. Il m'a passé des Philippe Maurice mentholé, mon gars. Je te raconte pas. Ça te dit, on va faire un tour. Un record de bonhomme, elle est plus stock que moi. Mais frère, c'est juste que je mette des trucs vite fait. Vas-y. Faut qu'on aille voir, Monsieur Yazid. On va aller au Comico vite fait pour prendre des nouvelles de Ben. Ouais, mais c'est tendu, genre. Pourquoi? Si on se pointe comme ça, non. Pourquoi c'est tendu? Bah, je sais pas, chelou. Bah, non, on va prendre des nouvelles. Moi, je trouve ça chelou, personnellement. Bah, Ben, c'est mon pote, j'ai appris qu'il était au Comico, donc je vois qu'est-ce qui se passe. Il s'est pris 2 balles. Ah, oui, effectivement. Ah, oui. C'est pour ça, oui. Attends, okay, t'as pas oublié quelque chose? Ah, ok, d'accord. Ouais, il a mis des trucs dans mon coffre. C'est quoi, je crois que. Il les a retirés. Salaud, va. Je crois que je peux même passer chez le coiffeur vite fait, me porter une petite barbe là. T'es sûr? Non. Si, je te jure. Oh putain. Ok. Tu veux qu'on le fasse ou quoi? Ouais. Attends, j'attends, Riles. Riles, on va passer vite fait. Monte avec nous. Putain, c'est. Ouais, t'es sérieux toi? La vie de ma mère! C'est trop lourd en fait, c'est trop lourd. Genre, je peux en prendre que 2 par 2, ça remplit trop mes poches. C'est super gros ce sac de merde. C'est rien, y'a une clope d'ailleurs en même temps. Ouais, gros, y'a quoi dans le coffre? Il y a une cigarette dans le coffre, t'inquiète. Il a mis. En fait, non, hier on a fait des courses. On a fait des courses ensemble, il les a laissées dans le coffre. T'inquiète, c'est bon. On va aller chez le coiffeur. On va aller chez le coiffeur. Bon, sinon, ça te dit. Franck, tu faisais quoi avant? T'es arrivé il y a combien de temps en ville? Bah écoute, je suis arrivé il y a 2 jours.
moi je travaille dans le pétrole. Dans le pétrole? Ah ouais. La PLS? Ah ouais, ouais. Au niveau de la raffinerie? Non, non. Ou ça c'était avant? Ah, je connais pas encore. Okay. Ah, peut-être qu'il faudrait qu'il postule. Tu connais bien? Non, pas trop. Ouais, j'irai me renseigner peut-être de ce côté-là, ouais. Attends, toi, Franck, tu travaillais dans le pétrole. T'es sérieux, là? Ah, ouais. T'as plus une dégaine ouais, à travailler, je sais pas, moi, en tant que soldat dans un gang, hein. Ah, faut pas tout dire non plus. T'as quel âge, Franck? T'as une femme? T'es marié? Bah, ouais. Moi, j'ai 39 ans, ouais. Ah, ouais? Ouais. Toi, t'es bien conservé. Au passif. Ah, ouais? Ah, ouais. Et deux mariages, hein, deux divorces. Bah, ouais. Ticket gagnant. Qu'est-ce qui s'est passé? À toutes des putes. Faut pas dire ça, ouais. Faut pas dire ça, ouais. C'est pas parce que vous avez divorcé que c'est des putes, hein. Ça se trouve, vous étiez déjà des putes avant même de vous connaître, hein. Ouais, peut-être. Ouais, je pense, hein. Franchement, vu comment elle m'a lâché Stella. Ah ouais. Aucun respect. Putain, c'est triste, hein. Comment ça s'est fini? Dans un puits. Ah. Hein? Elle t'a jeté dans un puits? Non, puits, veut dire un puits de connaissance. Ah non, tu lui demanderas. C'est un puits de connaissance. C'est des métaphores, on est d'accord. Tu l'as demandé au puits? Wesh. Comment tu veux que je lui demande? Je connais pas. Ah, j'aime bien ça là. What? Qu'est-ce t'en penses? Bah... Non, rajoute des cheveux quand même. Wouah, ça c'est pas mal ça. Ouais, mets de la barbe, ta grosse beubard. Ah, attends, je te mets ça. Dis de te faire une greffe. Quoi, Gino? Je suis revenu. Ah ouais, ça c'est bon ça. Ah ouais... Attends que je te fasse kiffer là. Vas-y, gratte-toi le dos, je t'en prie. Ah putain, ah, laisse tomber, je lui ai toujours pas la barbe. Ah ouais? Putain d'imberbe. Ah ouais, putain, il est imberbe. Chaud. Comment ça, chaud? T'as pas de barbe toi non plus? Ah, mais moi je la rase la barbe. Ah, toi t'es un petit bébé, hein. Oh putain, ça me saoule, wesh. Ça me casse les couilles. Ça sert à quoi d'avoir une vitre teintée si à chaque fois je casse ma vitre? Faut y aller doucement, hein. Faut d'abord ouvrir. Mais c'est ce que je fais, je te jure, c'est ce que je fais. Et donc toi, tu travailles au garage? Ça va, tu gagnes bien ta vie? Non, pas trop, hein. C'est la galère un peu. Bah, tu sais ce qu'on dit, hein, le cambouis et tout, tu sais, franchement, c'est un métier difficile en soi. Ouais, bah oui, évidemment. Ah, je connais, t'inquiète. Évidemment. Après, ça va, il y a beaucoup de prostituées qui passent des fois, donc ça détend un peu l'atmosphère. Que? Oui, des prostituées qui viennent pour réparer leur voiture, ça détend l'atmosphère. Ah, c'est biatch, ça m'étonne pas. Elles sont comment ces prostituées? Je me demande même si elles font pas exprès. Comment? Elles sont comment ces prostituées? Comment ça? Bah, physiquement, elles sont comment? Ah, physiquement, elles sont chargées, hein. Ça veut dire quoi, chargées? Tu crois que c'est un coffre? Chargées, gros boule, frère. Ah, ça se trouve, ces putes, elles font exprès de défoncer leur véhicule. Ouais, enfin, après, c'est ce elles viennent que pour réparer. Hein. C'est ce que faisait Anastasia pour Inès, en fait, au début. Elle faisait exprès de casser les scooters. Tu penses, hein. Méfie-toi, les femmes. Ouais, je sais, t'inquiète. Allô? Ouais. Ouais. Oh, faut mais oui, t'es où? Là, je vais au Comico, je suis avec Riles et Anastasia. Pourquoi tu cherches à l'hôpital ou pas? Quoi? Tu peux venir me chercher à l'hôpital ou pas? Quoi? Pourquoi t'es à l'hôpital? J'ai pas compris de qui tu parles. Pourquoi t'es à l'hôpital? Parce que frère, je suis allé là-bas, je pense qu'il est là-bas. Ah, je t'ai appelé en fait. Anastasia. Viens, bouge au. Ah, il parle de Comico. Toi? Je suis à pied. Ah, ok, on voit position. Non, mais le truc, Riles, c'est qu'en fait, Djibril, il connaît pas Franck, tu vois. Donc je peux pas lui dire que je suis avec Franck. Bon, les amis, prise des services pour l'ambulancier DiCaprio. Bon, pas de nouvelles de Ben. On sait qu'il est en prison. On sait pas pour combien de temps. Est-ce qu'il va prendre une fédérale? Est-ce qu'il va prendre un peu moins? On sait absolument rien. Nous sommes dans le flou total. Le flou artistique, si tu vois ce que je veux dire. Donc on verra bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah, oh, c'est, ouais, ça va? Ouais, c'est un nouveau lui ou quoi? Chelou lui. Ok, y'a pas de soucis. Bon, ce que je vais faire, je vais rejoindre les autres. Hop. Non, j'ai croisé Anastasia tout à l'heure là en bas, elle va me déposer au magasin de vêtements et de là... What the fuck, ok, elle est là. Ok. Ah, merci Philippe. Alors, Marocchino, yes, c'est pas un truc bizarre, j'ai vu la tempesta et t'as qui allait vers un champ, je me demande ce qu'il pourrait aller faire là-bas. Allez, vas-y, roule. Je t'envoie une pause, viens me chercher. Allez, j'ai envoyé un petit SMS là, au calme ma gueule là. En fait, je vous explique, c'est Anastasia, mais en fait, il... Il y a eu un bug, du coup. Attends, je m'allume. Du coup, c'est devenu un homme, tu vois. Mais t'es sûr que tu peux pas faire ressurgir Anastasia là? Ah, j'ai tout essayé. Sérieux? Tu dois la remplacer pour le moment, ouais. Putain. Mais c'est arrivé dans la nuit, en fait. Ah, depuis hier là. Ah ouais, mais. Mais du coup, t'as récupéré. Son téléphone et tu te rappelles de moi un peu ou pas? Bah ouais, elle m'a tout dit sur toi, ouais. Bon, bah ça va alors. Si j'avais peur qu'elle m'oublie, tu vois. Ça serait con, moi. Non, t'inquiète pas, elle t'oubliera pas. Yes, c'est super. Parce qu'on avait des plans, en fait. Moi et elle. C'est pour ça serait chiant. T'inquiète, elle m'a tout transmis. Ok, bon, ça va alors. Et du coup, ça en est où, là, à ce niveau-là? Soir. Bah, écoute, là, pour le coup, je vais m'habiller tranquillement. Je vais prendre ma prise de service en civil, on va dire. Et puis, en fait, on attend un ami. On attend qu'il nous tienne au courant.
parce que il avait un rendez-vous ce soir, mais je sais pas s'il va pouvoir venir ou pas, donc on verra. Mais de toute façon, t'as le même numéro qu'Anastasia, toi? Ah ouais, m'a filé son téléphone. Ok, bah vas-y, on s'y est en courant alors par téléphone. Vas-y, ok, de toute façon, je pense pas rester là très longtemps en ville. Ok, ça marche. J'espère. Ça marche. Donc, Je vais mettre en classe. Et alors, t'en dis quoi, ma petite gueule, l'eau? C'est pas beau, ça? Ah! Ah! Oh là, attends. Ah! Regarde pas. Ah! Ah! Ça va ou quoi, Karim? Ça va et toi? Ouais, nickel, merci. Attends, j'ai juste fait la radio là. T'inquiète, pas de suite. Ouais, les mecs? Ouais, yes. Vous êtes où là? Là, je suis. Je suis en taxi. Moi, je suis en taxi là. Tu fais quoi? Bah, vous faites quoi? Bah, écoute, on était en train de faire un peu de thunes là. Y'avait rien à faire. D'accord, ok. Des nouvelles par rapport à Ben? Bah, j'en demandais, mais tout à l'heure, Jibril m'a dit que. Que, à ce qui paraît, il est où, lui, d'ailleurs, Camille avait eu info que je sais pas, il a tiré sur des flics ou des trucs comme ça, j'en sais rien. Ben a tiré sur des flics. Bah c'est ce que Jibril m'a dit. Pourquoi il aurait fait ça? Parce que les bruits de mitraillette là, c'est pas le bruit de son arme. Hein. Bah ouais, je sais, mais c'est pour ça que moi quand j'ai demandé, moi le seul truc que j'ai sais, enfin qu'on a eu hier comme info, c'était qu'il avait reçu 2 balles, c'est ça? Ouais, 2 balles, ouais. On est d'accord. Et quand on est arrivé à l'hôpital, il y avait plus personne. Et soi-disant, il était au Comico ou je sais pas quoi. Ouais. C'est-à-dire, il est encore là-bas en fait. Il est pas ressorti. J'en ai aucune idée. Moi je peux pas me rendre sur place pour essayer de gratter des infos, tu vois. Maintenant c'est que... Je peux y aller si vous voulez. Moi je peux y aller, moi ça me dérange pas de toute façon. Après si tu y vas, tu poses des questions normales, ouais. Et tout. Sans... Vas-y, go Comico s'il te plaît, Karim. Sans pour autant ils ont réservé leurs soupçons, tu vois. Bah non, mais Ben c'est mon ami. Qu'à dire, je rends visite à un ami à moi. Camille Fleury, c'est ma super hiérarchique, donc elle m'en a fait part, ouais, tu vois. Tu dis, hein, tu dis, ça fait plus de 24 heures qu'il est en cellule, c'est pas normal, genre tu te renseignes, tu vois. Normalement, ils peuvent pas garder quelqu'un plus de 24 heures, tu vois. Bah sinon, ouais. Comment ils doivent mettre un bracelet ou quelque chose, tu vois. Eh bah oui, au moins avoir accès à un avocat ou une connerie comme ça, tu vois, genre pas le laisser comme ça, tu vois. Essaye de gratter cette info. T'inquiète. Et si je vois le roux, je passerai salam. Il est où, Jibril? J'ai envie de le choper et d'avoir une tondeuse et de lui raser la tête. Bah, je te jure que c'est ce que je voulais lui faire. Je l'ai menacé de ça, moi. Je lui ai dit, va finir chaud, il m'a fait tellement fou. Jibril, il devient quoi là? Il est où? De nouvelles? Il a mal au crâne, ouais. Ouais, je me l'ai qu'à prendre du Doliprane lui aussi, wesh. Non, mais c'est la 4ème migraine qu'il a en moins d'une heure. Ah ouais, mais frère, il a ses règles alors, c'est pas possible. Ah, je crois qu'il nous a cassé des choses. Ah ouais, c'est trop. Ça va quoi, Gino? Et toi-même? Ouais, ça raconte quoi? Bah rien. Vas-y, là je suis avec Karim et il m'a raconté des trucs. Karim, vas-y, tu peux me répéter ce que tu m'as dit par SMS? Tout à l'heure cet après-midi ou... Ouais. Il y a 30 minutes. Voilà, il y a 30 minutes là. Tu sais, j'étais en train de faire mes courses natives, j'allais vers le nord. Mm-hmm. Et en revenant, j'ai pris l'autoroute la plus proche de là où on est, là, juste là. Mm-hmm. Ouais. Mais c'est pas, j'ai vu une Tempesta, une T20 sur l'autoroute, qui roulait à fond. Après je refais une course vers le sud et je reviens au nord. Je vois la Tempesta garée dans un garage. T'as reconnu le conducteur ou pas? T'as vu quelqu'un? Il y avait personne dans la voiture. Ok. Oh, c'est la quoi, la moto là? C'est un truc bizarre en fait. Ouais, la moto là. Pas le mec qui s'arrête. Une moto au milieu de la route. Ok. Vas-y, ça marche. Voilà. Vas-y, attends, s'il y a personne, attends moi ici, sinon si tu vois que je tarde, tu peux y aller. Vas-y, je t'attends là, t'inquiète. Vas-y, ça marche. Attends, non mais je demande juste si la femme de Monsieur Richard. Ah, c'est Barberousse. Ou non. Ah, ok. Ok. Bah, son def, il est où? Il a pris un break. Bonjour, monsieur. Pourquoi vous dites des bonsoirs et tout? Mais c'est grand soleil, il dit bonsoir, je comprends pas, moi. Non, c'est grand soleil. Je suis persuadé qu'il fait lui. Je suis fatigué. Je peux faire quelque chose pour vous, peut-être? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait s'entretenir en privé? Pas devant ces messieurs, s'il vous plaît. Ouais, si vous voulez. C'est pas que j'ai pas confiance, mais bon. Ça va ou quoi, Aaron? Dites-moi, vous êtes, excusez-moi. Ah? Vous êtes, excusez-moi. Ah, ça va. Monsieur Aprio? Mais... Oh, les gars, je me fais penser pour les flics. Hein. Bon, ok. T'es où? Au nord de la ville. Vous m'avez reconnu là, c'est bon. Attends. Ouais. Je vais faire un effort. Hey! Olé! Quoi? Hey! Olé! Hey! C'est bon, vous m'avez reconnu là ou pas? Ouais, je suis pas si sûr que ça. Bon, bah. Vous avez fait ça? Tant pis, c'est pas grave. Allez, bonne journée. Vous vouliez me dire quoi? Mais vous me. Pourquoi tu me vois comme ça d'un coup là? T'es sérieux? Ouais. Tu voulais me dire quoi? J'ai du mal à... Bah, déjà, je voulais prendre de tes nouvelles par rapport à... Tu m'as dit hier, t'étais un peu essoufflé, t'avais pris des lacrymos, je sais pas quoi, là. Exact. Ça va, ça a été? T'as passé une bonne nuit?
Je sais pas si ça a été, moi je me souviens pas de grand chose, mais ouais, j'ai réussi à dormir. J'ai été soigné correctement, j'ai eu du sérum physiologique pour les yeux et la gorge s'est remise doucement, c'était un peu douloureux. Ouais, je vois, ça va. Tu étais où? T'étais pas en service? Mais j'étais en service, mais justement, Fleury, elle m'a dit comme quoi elle a reçu un appel, elle l'a pris avant moi. Et elle est arrivée sur les lieux, elle a vu. Hier, quand tu m'as appelé, tu m'as dit que t'étais pas en service. Quoi? À quel moment je t'ai appelé? Juste après le petit souci, tu m'as appelé pour prendre de mes nouvelles, me demander ce qui se passait en me disant que t'allais prendre ton service à l'hôpital. Ah si, j'étais en service, mais j'étais en civil. J'ai juste récupéré mon uniforme. Ok. Ouais. Et du coup, je voulais avoir des nouvelles de Yazid, là. Yazid, j'ai pas énormément de nouvelles. Hein. Je sais qu'il est toujours en cellule gouvernementale et je sais pas la. Mais du coup, il s'est passé quoi en fait? Parce que moi, j'entends une version, mais. Je sais pas exactement. Apparemment, il aurait tiré ou pointé une arme sur quelqu'un. Pour l'instant, il est en cellule. J'en sais pas plus. Il a tiré sur quelqu'un? J'en sais rien. Soit tiré, soit levé une arme, soit participé. Okay, je sais pas. Moi, je suis tombé dans les vapes. Les supérieurs m'ont pas trop dit. Marteau, pire en montagne. C'est ce que je fais. Ok, ça marche. Bon, ouais, je te retiens pas plus longtemps du coup, Aaron. Si t'as des infos, n'hésite pas, tu vois. Parce que ça me ferait chier que, bah, il tombe pour rien en vérité. Et il aurait droit à un avocat ou comment ça se passe là du coup? T'as des nouvelles par rapport à ça? Ouais, je pense. Bah, ça après, je pense qu'il n'y a pas de souci pour te donner ces infos là. Dès que j'ai un gradé en ville, je prendrai la tâche avec lui, voir s'il a le droit à un avocat ou quoi, et puis je te dirai. Vas-y. Ça, je pense pas que ça pose de problème. Ok, d'accord. Ça marche. Bah, vas-y, prends soin de toi alors. Ouais, c'est sympa de. Et fais gaffe, hein! D'être passé. Ah, fais gaffe, les rues apparemment sont glissantes en ce moment. Faudrait pas que tu tombes pour rien quand même. T'as dit, comment ça? Faudrait pas que tu tombes pour rien. Bah, elles sont glissantes. Et les taches d'huile. Faudrait pas que tu tombes pour rien. Ça serait dommage. Okay. D'accord. Dis donc, y'a Barberousse là aujourd'hui, quoi. Ouais, j'ai Barberousse! Ça va? C'est pas comme ça que je m'appelle. Mais si, maintenant, tu sais qu'à t'as pas la gueule comme ça. C'est des petits noms que je donne. J'aime bien. Des moyens mnémotechniques. Nemo! T'es quoi, j'aime bien Nemo. Allez, bon courage. Merci, au revoir. On bouge. Envoie pause. T'as vu mon message? Envoie pause. J'ai réussi à les semer. Putain. Ah, je vais. Tu vois le magasin de vêtements où il y a le traitement? Je vais juste là-bas me changer vite fait. Ok, envoie une pause quand t'es safe. Ok. Ah frère, je mets plus les pieds en ville, hein. C'est mort. Bah oui, frère. Putain, mec. Non, mais frère, mais. Tu me dis ça? Tu me dis ça alors que j'étais en train de parler avec. Avec Aaron et tout. Je t'en bats plus, putain. Je fais quoi là? Ah, ok. Mais Aaron, il a pas d'info. Ok, mais ils étaient 4 dans le véhicule de flic, hein. Wow. Il m'a dit qu'il y a pas de super. Ils ont essayé de me taser à un moment. Quoi? Comment ils ont fait? Bah ils ont tiré à travers la fenêtre quoi. Et... Ah bah oui la base. Non mais après ça je m'en fous, c'est juste ils étaient prêts. C'est logique. À absolument m'arrêter quoi. C'est logique. Non, bah, c'est juste... non mais comme je dis, c'est juste moi c'est. Je sais pas mais tu vois ça me démange. On voit la pause. Et comme je dis, là je vais au magasin de vêtements tu vois. Ok. Tu connais un avocat toi Karim? Ouais justement. Ouais. Le mec il m'a dit qu'il peut me faire gratuit, tu sais, parce que je l'ai aidé à son arrivée en ville. Ouais. Il m'a dit que si j'avais besoin, je l'appelais et il allait s'occuper de nous. Ok. Si t'as besoin, tu me dis et on y va. Hein. Go vers le nord s'il te plaît. Ok, allez on y va. Tu fais quoi toi Gino? Ah, Gino? Gustavo? Ouais. Des nouvelles de Gino? Non, il était là sur la radio et là d'un coup il parle plus. Ouais, pas trop ça quoi. Je sais pas. Tu viens me chercher? Bah ouais, on voit la pause. Envoyer une pause maintenant, attends. Hein. Je me mets dans un endroit safe. Vas-y. Un peu isolé, loin des magasins et tout ça, et je t'envoie. Vas-y. Là, ils vont vivre en mode chaise blanche, je peux pas la ressortir quoi. J'allais dire, tu veux que je te prête la bide ou pas? Ah, bah t'es là toi! Ouais, excusez-moi. Non, moi, je peux. Là, mode chaise, c'est mort. Ouais, t'as raison. Peut-être qu'ils ont des ordres de contrôler toutes les motos, non? Si, mais moi, il m'a dit, hein, là, pour laquelle il voulait me contrôler. Il m'a dit, je suis à côté d'un point chaud. Ah, bah bouge aussi, toi aussi. Mais non, mais j'étais pas à côté du point chaud, en fait, j'étais loin. Ah, ouais. Bah, peut-être pour eux, c'est là. Bah, non, mais le truc, c'est que juste. En fait, je me suis foutu de sa gueule, tu vois. Je lui ai dit, ouais, c'est vrai que je suis le seul à côté s'induisant d'un point chaud, quoi, tu vois. Il y avait qui? Est-ce que t'as reconnu des gars? Des têtes connues? Non, c'est pas qu'il y avait qui, c'est qu'il y avait des véhicules partout, frère. Non, mais parmi les flics. Non, parmi les flics. T'as reconnu quelqu'un? Je suis pas sûr. Vraiment, je suis pas sûr. Je crois qu'il y avait de la chaux, mais je suis pas sûr. Pourtant, Ron, il m'a dit qu'il y avait pas de, gradé. Bah, alors c'est moi qui me suis trompé. Après, je sais pas, non, ça se trouve, c'est Lucas Mito. Tout à l'heure, moi, je me suis fait contrôler par parking, c'est de la chaux, moi, je crois. Ah. Mm-hmm. C'est bien passé, mais après, il y a parking, c'est sûr. Ouais, mais Karim, il m'a prévenu, il m'a dit qu'il faisait des contrôles sur le parking et tout. Ouais, bah, c'est là qu'il m'a. Pourtant, il y a aucune raison en fait de faire ça, mais bon, là quoi. Moi, tout à l'heure, ils m'ont vu en train de vendre. Mais ils ont pas réussi à m'attraper, ils m'ont recontrôlé le parking, mais j'ai réussi à aller alors retourner le cerveau, j'avais tout enlevé. T'as la pause, à droite, Karim. Je t'ai envoyé, hein.
Ouais, merci, ouais. Du coup, je sais pas quoi faire, ma voiture elle est blindée. Oh, à gauche là. Ouais. Donc là, si je vais au parking central, je me fais contrôler instant. Non, là, j'ai vu personne, mais j'ai vu pas mal de monde en fait. Mais pas de. Mais je dis pas de bêtises, on est bien repassé en mode jaune là. T'as pas, ouais, mais t'as pas, ils ont pas te fouiller, hein, juste la pièce d'identité. Ok, merci. Vas-y, je peux y aller alors. Tu voudras monter avec nous, Gustavo? Dépose, il faudrait me déposer un coiffeur. Ok. Le problème, c'est que là, t'as qu'un taxi, tu m'as dit? Ouais. Mais frère, j'ai pas envie de montrer ma tête, on sait jamais si il boucave ou quoi, tu vois. Mais c'est le même taxi qu'hier, hein. Ah, c'est Marocchino, ouais, mais je veux dire, imagine Marocchino, ok, il va dire, il fait le mec chill et tout, il nous rend service. Ouais. Et au final, il se fait soulever, je sais pas, par exemple, et on lui pose des questions, tu vois. C'est ça, en fait. Ouais, t'inquiète. Beau. On verra ça pour plus tard. Pour le moment, frère. Attends, j'ai pas le choix là. Voilà, il commence à faire la fine bouche, tu sais. Non, je ne monterai pas dans un taxi, ce n'est pas de mon honneur, de mon grade. Allez, par contre, Karim, là, faudra faire des réparations sur ton taxi, frère. C'est pas... Ouais, mais bon, j'ai la flemme de réparer. T'as la flemme? Ah ouais, mais à un moment donné, tu serais obligé, hein. Ouais, là, je vais être obligé, mais bon... Parce qu'hier, le grillage, là, te rappelle, pouah. Ouais, il m'a niqué mon taxi. Ah ouais, un grillage, frère. $300 de réparation. Game over. Les réparations, je les mets au nom de patron. Ouais, bah oui, vas-y, on est là. Gustavo, le mécanicien. Mécaniciano. Vas-y, merci. Go qua fora. Allez, on y va. Je peux mettre un point GPS? Ah ouais, c'est bon, ouais. Oh, Gustavo, ça va, quoi? Si tu vois des flics circulant. Ben moi, je suis au nord, hein. Parce que là, t'es au nord. Ah oui, je suis avec Gustavo. Okay. Voilà. Gustavo, il parle pas beaucoup, hein, comme d'hab, il est un peu... voilà la gorge. Le changement climatique. Le changement climatique, il ne supporte pas trop. Un coup t'es en liberté, un coup t'es en prison, changement climatique. Et la Casa de Papel de la Prison Break. Izzy Schofield, that's my name. Et on m'appelait what? What? Pourquoi tu rigoles? Parce que t'es mexicano et tu dis des what? Et après c'est vrai, t'as raison. Voilà, gracias, j'arrive. Bah, les flics, ils sont vénères aujourd'hui, hein. Ils sont relous surtout, ouais, pour rien. Bah, il m'a embarqué parce que je lui ai dit ça roule, parce qu'il était roux, hein. Ouais, j'étais sérieux? Tu t'es fait embarquer par un flic? Il m'a embarqué pour ça, mais ouais. Oh putain. Il m'a embarqué parce que j'ai dit ça roule. Pourtant, je lui ai dit, ouais, je barberou, ça va ou quoi? Il m'a rien dit, il m'a dit, je m'appelle bien comme ça. Je dis, si, maintenant tu vas rapporter, maintenant tu vas t'appeler comme ça. Il m'a tasé et tout parce que je lui ai dit qu'il était roux. Ah ouais, vas-y, go, ma case de vêtements derrière, s'il te plaît. Je vais me changer. Allez, on y va. Je t'ai mis le point déjà. Allez, on y va. Eh hey Karim, y'a moyen que tu nous laisses ton taxi ou pas? Ouais, quand on sera en ville, si tu veux, je te le laisse, hein. Ouais, mais après, du coup, pour les réparations, ça se passe comment? On doit pas chez le dépanneur ou bien... Normalement, chez le dépanneur, mais c'est moi qui dois payer de ma poche, mais bon... C'est combien? C'est quoi? Vas-y, je vais le réparer et je te passe. Ouais, vas-y. 300. T'sais, y'a ma patronne qui fait que m'envoyer des messages. Ouais, allô? Allô? Ouais? Ouais, j'ai eu un débrief, là, vite fait. Juno, il m'a débriefé par rapport à Gustavo. Attends, qui t'a... Attends, excuse-moi, t'as dit quoi? Non, il m'a débriefé en radio par rapport à Gustavo. Ah, ok, d'accord, bah vas-y, j'arrive. Vous êtes où, là? Vous êtes dans le nord? Ouais. Bah attends, je suis dans ma position. Vas-y, ok. Mais attends, mais tu m'as dit que t'es avec qui? J'ai pas bien entendu, en fait. Non, en radio, il m'a briefé, en fait, sur... Ok. Vas-y, attends, vas-y, ça marche. Attends, elle est connue, des fois, je crois que c'est des gyrophares de flics. Ça fait des... Voilà. Allez, merci, Karim. Ok, alors attends. Tu vas aller, s'il te plaît, à cette position-là. Allez, go. Oh, les gars, on peut prendre un taxi? Bah ouais, logique. Hey. Il disait, mon patron... Ouais. Il m'envoie des messages. Ah, désolé, il y a un peu mal à la gorge. Ouais, bah, tu nous racontes ta vie, c'est bien, mais... Bah, il dit que Marcel, pour savoir de mes nouvelles, il veut dire qu'il est tombé malade. Ah, ouais, bah oui, bah, à cause de la gorge, tout ça. Tu peux... Gustavo, tu peux venir... Hey, gringos. Les putas qui foutent à la merde en ville et qui niquent le business des autres, si j'entends parler de vous, je ferai en sorte que vous ne dérangez plus. Wesh, il poste la même photo, il est sérieux lui? Ouais, attends, moi ce qui me fait rire, c'est qu'il a posé devant son miroir là pour nous montrer qu'il est énervé, tu vois. Ouais, mais je me demande qui prend la photo. Ah, moi il dit, c'est en fait dans son masque, j'ai remarqué sur la photo que. Les micro-caméras. Il a une caméra. C'est un homme méfiant, c'est normal. Téléphone dans la chaussette pour envoyer des emails. Aïe aïe aïe. La technologie. Et Gustavo, tu travailles dans quoi toi? Moi? Ouais. Je travaille au Phoenix News. T'es sérieux? Ah, mais c'est pas vous que j'ai vu au magasin de vêtements? Ah, mais c'est. Tu te rappelles de moi quand il t'avait interviewé? Ouais.
Ah ouais. Et pourquoi moi tu m'interviews pas? On va dire tu as pas encore eu un scoop. Bah attends, je suis ambulancier, je vais peut-être être promu médecin chef. Quand même. Ah ouais. Bah ouais. À cette heure, on peut aller au bureau et on peut faire un petite interview. Bah là, vas-y. Hier ou avant-hier, il y a eu une personne du pays, la série. Il est venu, il est sans papier, il est là. Il m'a fait une annonce. Ah ouais. Et pourquoi tu ferais pas une interview de Madriga? Parce que, écoute, Madriga, il est courageux jamais en ville. Ah ouais, sérieux lui. Vas-y, il est où lui? Putain, il est juste là. Tu l'as vu? Ouais, il doit être là, la position, elle est là. Tu cherches qui? Bah, un ami en fait. Non, pas d'eau, monsieur. Ouais. Vous voulez qu'on bouge ouais, là? Ouais, ouais, ouais. Bien d'essayer de savoir qui c'est le numéro qui m'a envoyé ce message là. Voilà. Donc, vas-y. Ça va. Poketo, il ne pas qu'il soit un peu malade. Je crois que je l'ai, je crois. Ouais. Mais envoie-le-moi quand même. Karim, bouge ici, c'est un point sensible. Bouge ici. Ah ouais, je vois. Ouais, en plus. Pardon? Je te plains. Ouais, ouais, vas-y. C'est qui ça? C'est ma faute. Ah, sur le monsieur chez Beblin là. Qu'est-ce qu'il y a? What the fuck? Juste là à gauche, c'est bon? Ah, je t'ai mis un poste, je t'ai mis un poste. Les personnes ont dû me confondre parce que moi, on va dire que ça fait 3 jours qu'il y a la grippe et tout, donc je suis en train de me reposer. Bah, si vous voulez, ils peuvent aller chercher un certificat médical à l'hôpital. Bah, on va dire que je suis cloîtré chez moi, donc il ne peut pas sortir de chez moi. On va où là? Bah, il peut faire un coup de fil et demander qu'on vous envoie le certificat médical. C'est plus simple. Bah, il demanderait une copie si vous voulez. Et je vous l'enverrai par mail, d'accord? Et sinon, tout va bien. Enfin, non, je suppose que non, vu que vous me dites ce qui s'est passé là. Bah, il est malade, quoi. Il me dit, ça fait 3 jours que. Enfin, vous m'avez recruté, le lendemain, ça allait un peu mieux, mais il est tombé malade, il a attrapé froid. Moitié! Voilà. Et voilà. Et il y avait écouté le médecin, il y avait demandé. Tu penses que je peux jeter mes trucs dans du véhicule? Certificat médical, d'accord, patron? Quoi, ça va être sur le côté? Non, pas là. Bah écoutez, là je m'arrange avec les médecins parce qu'il y a le médecin qui vient à domicile, donc dès qu'il me retrouve sur apte à reprendre le travail, vous verrez mon beau visage le plus vite possible. Ah non, 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 mais de toute façon, il compte faire le plus vite, hein, parce que moi, j'ai pas envie de me faire virer alors qu'il vient travailler. Hein. Allez, patron, je vous souhaite une bonne soirée et... Pardon? Ah oui, dès que vous voyez la prochaine fois, il vous montrerai tout ça, alors, d'accord? Pas problème. Allez, patron, bonne soirée. Aïe aïe aïe. Bon, mais je pense qu'il va rester encore 3-4 jours à gratter le salaire. La vida loca. La vida loca. De Pablo, de Emilio, de Gustavo. T'es très à la métrobe. C'est quoi cette tête? Ça va. Ah ouais. Oh, tu fais peur. Ouais, tu fais penser à qui là? Freddy, mais avec la ponette. Ah, pour le moment, je touche plus trop à ça. Tu sais, là, je suis en train de faire mes runs de taxi, donc je suis très occupé. Bah on va où là en fait? Vas-y, bah, de toute façon, on va en ville, mais au nord. Parce que là, c'est là, on est grillé en vérité. Hein. C'est pas bien là. Hey, c'est 40$ le kilomètre normalement. Ah? Tu es en train de voir là sur le siège, j'ai marqué 40$ le kilomètre. Ah bah tu payeras frère. Non, ça va aller. Bah pourquoi tu ouvres ta gueule? Vas-y, paye. Non, mais c'est pour le prévenir parce que lui, peut-être qu'il était pas au courant, tu vois. Qui était pas au courant? Genre les prix de base, c'est ça. Ouais, ça fait chier le kilomètre frère. C'est 20$ normalement. Non, fais la 40 frère. De base, je fais gratuit moi sur certains. Ouais, non, mais frère, les gens font leur des 40 balles minimum. Le kilomètre. Oh, je voulais faire un 200 au moins. Ah ouais. Ah frère. Tu vas te faire 100k en une semaine, gros, quand même. 4000. Tu vas être plus riche que ton patron. Voilà, ça quand même, il va te manger dans la main. Tout. Ah, si le patron il crève, je prends l'entreprise, je me mets bien. Ah ouais, t'es ambitieux toi. Je te passe que ça. Vas-y, calme. Eh, Tom Hort, il t'a mis bien la dernière fois. Ah ouais, il m'a donné 14 000. 14 000 frère, t'as l'air, il m'a pété dedans, il m'a défoncé, gros. Ouais, quand on était dans l'ambulance et tout. C'était. J'avais pas enregistré. J'avais juste genre 10-15 minutes. J'étais AFK, tu vois, pendant je sais pas, 20 secondes. Il nous a tapé dedans alors qu'on était en ambulance. Pouah. Attends, mais arrête-toi, il y a un coin là que je puisse jeter mes. Attends, t'inquiète. Continue. T'inquiète. Tu pourras faire là où on va aller. Vas-y, fais confiance. On va aller dans un parking, tu vois. Un parking? Ouais, tout en haut. Il est pas trop connu, tu vois, genre. Et t'as une belle vue. Ouais. Ah, je vois, c'est lequel. Prends les feux rouges, hein. N'oublie pas de freiner tout ça. Ouais, t'inquiète, on va te rendre là. Putain, je me suis pris 500 d'amende parce que j'ai dit qu'il était roux, le flic. Putain, pourquoi? Comment ça se fait? Ah, regarde, Jackie. Comment ça se fait? Je lui ai dit qu'il était roux, tout simplement. Ah ouais, c'est nappe. Frère, il y a les flics qui sont des tous, quoi. Là, je crois. Non, ils sont pas. Oh. Ah. Si, là, il a le parking, là. Prends droite dans le parking, là. Rode, va tout en haut. Oh là frère, que des. Tu
Toi, il est tranquille celui-là. Mec, il se croit une balle. Toi, vois la policia. La policia, directement, ils sont vraiment ralenti. Ils ont fait même Dometo. Après, vu l'état de ton véhicule, ce sera les loisirs qui nous contrôlent, quoi. Vu l'état du véhicule, toi même pas un phare allumé la nuit. Je les éteins. Ah, d'accord. C'est bon, vas-y. Autant pour moi. Vas-y, on attend. Regarde, là, on a une belle vue, on peut voir qui arrive, etc. Vas-y. Vas-y, arrête-toi. Ouais, garde-toi. Je suis précoce. Bon, je descends. Mais fais pas ça, fais. Wesh. Aïe. Sacré-toi quand même. Sacré-toi. Ah, il était dur. C'est magique. Un marreco. Marreco. Je suis le roi du monde. Les flics, je vous encule. Comme ça, regarde. Hey. Parala bam bam. Parala bam bam. Piratita. Baribadigare. Tiratatiririririririr. Ah, c'était pas une pub pour les papiers toilettes, ça? Eh, vraiment, je sais pas. Parce que toi, tu t'essuies le culo. Waouh, mais t'arrives quoi, là? Quoi? Toi, tu as mis ton nez pas payé, on dirait que tu te prends pour un agent secret, toi. C'est juste taxi. Oui, il y a ton hélico, là. Non, c'est juste les hélicos, là, pour le test de plasma. T'as passé ton truc de tir, là, pour le PPA, Karim? Non, il y en a toujours pas. Ah ouais? C'est bon, ils vont bientôt en passer, là, dans la semaine. On est juste à la plage, tranquille, calmez-vous, les gars. On est juste à la plage, tranquille. Il y a Dino, il vient de se faire part de mes heures de taxi, hein, je suis là. Ouais, t'inquiète, ouais, bah c'est pour ça que j'ai pris ton numéro de téléphone. Dès qu'on a besoin de toi, de toute façon, on t'appelle. Hein. Je compte sur toi. Hein. Tu parles pas, Karim, hein. Non, t'inquiète. Ok. Mais je vous entends pas parler, faut me parler un petit peu, vous me parlez pas. Il se passe quoi là? Je suis là, je suis tranquille à la plage. Je vais parler à la plage, il est à la vente. Oh, expliquez-moi. Putain. Expliquez-moi ce qui se passe. Ok, bah je donne mon identité comment? Oui, voilà. Mais déjà, comment je te donne ma pièce d'identité si tu me notes? Tranquille, je suis. Ok, mais me braquez pas, ça me fait peur. Je vais rien, y'a rien. Vous inquiétez pas. T'as que sur toi, Dino? Mais ouais, il est plein, frère. Oh. Ouais, bah, je prends une amende. C'est bon. Tenez. Vas-y, go le réparer. Mal entendu ce que vous avez dit. Ah ouais, mais vous êtes vachement. Ouais, vous êtes très agressif, hein. Y'a aucun problème. Dis, t'es allé te faire enculer, wesh. Ah, c'est pas un masque, attendez, je vous explique ce que c'est. Parce qu'en fait, regardez, ma moto est juste ici, regardez. C'est pour la pollution. Regardez. Eh, vous inquiétez pas. T'es asthmatique, c'est pour la pollution. Qui va prendre la fuite. Laissez-moi parler, monsieur. Ouais, c'est le mec qui sont en stress. Ma moto est juste ici, et en fait, j'ai perdu mon casque. Ils ont Brian O contre leurs mains, gros. Quoi? C'est parce qu'ils pensent avoir Brian O contre leurs mains. C'est juste pour la moto, le foulard. C'est normal, ça fait 4 ans que je suis en train de jeter. Pour la pollution. Bah ouais, à part un. Mais ouais, frère, mais j'allais pas à 20 minutes sur moi. Putain, j'avais oublié que j'en avais full. Attends, arrêtez de parler quand je lui parle, sinon il va pas comprendre. Faut qu'il leur dise qu'il est asthmatique, c'est pour la pollution, et s'il croit pas, il a qu'à passer à l'hôpital, je lui fais un certificat. Mais c'est normal que tu prennes du temps, frère, à jeter, t'étais full, non? Coupé sa radio. Non, mais je parle de. Ouais, c'est bon. Et toi, tu fais ça normal à cause à côté de taxi, BRR, qu'on dirait que t'étais en train de chier, frère. Moi? Ouais. Ah, c'est pour ça que j'étais dans l'escalier. Ah, toi aussi? Tu fais du sport? Aucun, des squats, des squats. Ah putain. Oups là. Oups là. Oups là. Oups là. Regarde comment je me pense rire là. Oups là. Yola. Oulala. C'est quoi ce popotin? Oh, le popotin bien gonflé, quoi. Allez, bismillah. Let's go. Let's go, Drari. Yallah, let's go. La cambrière est activée. Ouais, y a un peu mal au dos, il peut pas trop descendre. Ben, voilà, c'est pour toi qu'on fait ça, frère. Voilà. Ben, si tu m'entends. Les flics, c'est des fils de pute. Pourquoi, Ben? Wesh. Ah ouais. Yeah. Oh, calme. Yeah. Oh, calme. Eh, yeah. Hey, yeah. Le rouge, je vais le ken comme ça, frère. Voilà, même pas, je vais le toucher. Même pas, je vais le toucher. Viens là, toi. Viens là, toi. Voilà, ken par bleu tout. Viens là, toi. Voilà, je t'ai dit. Voilà, il va devenir la rousse. La rouquine, on va l'appeler. La rouquine. Super connard. La rouquine cookine. Putain. Salope. Wesh, en fait, c'est mort. Je peux pas m'arrêter de jeter là, ça me casse les couilles. Bah, c'est pour ça qu'on est venu ici, frère. Ah, frère. On est bien. Eh ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Mais après? Il est parti réparer son taxi. Il arrive. Et là, en plus, on a une belle vue. Pas trop du bord. Parce que ouais. Ouais, l'erreur peut être fatale. Ouais, l'erreur peut être fatale. Eh, hey, les gars. Ah bah non. Fatal subitar. Non, c'est bon. Bon, bah, Mskin, il l'a embarqué, hein, je pense, Gino. Rila, c'est nouveau ou pas? Non, pas du tout. Bah, il serait venu radio s'il y avait quoi que ce soit. Mmh. Mec,
J'ai envie de faire un tour moi sur le parking central, voir si l'autre là il traîne. Barbe rouge là il traîne. Ouais. Barbe rouge. Ouais, barbe rouge quoi. Ah oui, d'accord. Non. T'es toujours en train de jeter? J'ai l'impression que j'ai jamais tapé un squat de ma vie. Franchement, là, t'as une belle vue, hein. Tu vois tout, hein. Ouais, quand j'étais flic, je me mettais là pour voir les gens qui vendaient. T'es sérieux que... Bah oui. Ah, je savais pas. Ah ouais, bien fait ton monde. Ah ouais. C'est comme ça que je te voyais. Tu sais que t'as accès au toit là-bas aussi. Et le toit là-bas en face, t'as accès aussi. Coupe ta radio. Ouais, je sais, mais sauf que le toit là-bas, on voit moins bien qu'ici, tu vois. Bon, après, il faut vraiment. Ouais. Après, là-bas, tu peux monter sur le toit du parking, parce que c'est un parking aussi. Lunettes de ski, là. Ouais. Bon, je vous explique tout à l'heure, les gars. Donc. Toi, Zibrit, t'es au courant, on était en ville, j'ai juste fait du repérage pour savoir où était la vente. Mm-hmm. J'ai passé une fois devant, je me suis mis sur un toit, mais vraiment un gros toit pour attendre. J'ai vu, il y avait personne. Ouais, carré. J'ai juste passé pour t'étais là. Ouais. J'ai juste passé pour savoir si c'était là, il y avait rien. Au final, frère, t'as les flics, je suis super loin de la vente. Ils viennent, ils sont sur le côté, je fais, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Mm-hmm. Ils disent, oui, vous êtes à côté d'un point chaud, on procède à un contrôle. Ouais. Je dis, ah. Je savais pas que j'étais le seul à côté d'un certain point chaud. Ouais, c'est marrant. Et puis après, j'ai accéléré, je suis parti instant. Vas-y. Eh, vous voulez qu'on se balade avec le taxi de Karim ou pas? C'est une bonne idée, non? Ouais. Je conduis, tu vois. Et lui, bah, il a qu'à rentrer en taxi. Ouais. Monsieur propre. Le pire, il va se faire notre taxi, non? Il peut pas? Ouais, je pense qu'il a des différentes clés, ouais. Vas-y, merci, Karim. Ouais, t'as plusieurs taxis ou pas, Karim? Gracias. Bah, vu que je viens de sortir, ouais. Mais bon. Tu peux. Enfin, vas-y. Pour l'instant, vas-y, on fait comme ça. Attends, je mets devant. Attends, Gustavo, mets-toi derrière. Ok. Vas-y, go parking central, s'il te plaît. On va où? Parking central. Ouais, allez, on y va. S'il y a pas de flics, hein, s'il y a des flics, laisse tomber. Hein. Taximan, il va te demander juste un service. Si tu peux rouler doucement, parce qu'il y a un peu le vertige là. Mais vraiment, okay, on respecte les. Le vertige de taxi? Non, c'est juste qu'il me sent pas très à l'aise là. Il y a une bouffée de chaleur, ouais. Tu vois. Ouh. Je suis un peu malade. Justement, faut ouvrir la fenêtre et rouler vite. Ferme ta gueule, t'as, c'est mort, pas de. Oui, qui comprend rien. D'ailleurs. Eh, hey, t'as vu ce que... Brasserie recrute. Gustavo, au pire, si tu perds ton travail, tu peux poser ta candidature ici. Hein. On va aller brasser. Eh, pourquoi pas. Et on va brasser un peu. Un peu de pesos pour payer la putas. On va où là? On va partir sur la mi habilita. On y va vite fait, tu vois. Bon, il connaît pas très bien la ville, hein, c'est pour ça, il connaît pas les recoins encore. S'il y a pas trop les. Los condejos. Los condejos. Los condejos. Los polayos. Eh, la personne. Hein? Ah non. C'est chinois ça. Merci chauffeur! Ouais, je tombe! Pas de soucis. Allez, Gary, merci, t'assures. T'inquiète, pas de soucis. Allez, sors ton véhicule là, vite. Comme d'habitude, je conduis, hein. Ouais, bien sûr. Ok, c'est parti, je prends le volant. Trop gentil, toi. Oh, des nouvelles d'Anastasia? Ouais, elle a pris son service tout à l'heure. Elle s'est déchaînée tout à l'heure. Ah ouais! sur Twitter et tout, elle est tombée. Ah oui, elle est tombée. Ah, c'est parti en quoi, frère? Ouais, c'est quoi ce nouveau véhicule en fait? T'inquiète, c'est à moi. C'est à moi. Quoi? Oh là là. C'est à moi, ouais, c'est à moi. Je crois plus dit que. Bah oui, frère. L'énergumène à côté. Il me reste que. Tu verras. Il me reste que 3K. Il me reste que 3K. Frère, il y a 2 jours, t'as acheté une Audi A5, je sais pas quoi là, j'en sais rien. J'ai combien là? Et j'ai combien? T'as combien? J'ai 15 000. Mec, j'ai 3K, frère, j'ai que 3 000. J'avoue, 3K ça pue. Le qu'on fasse quoi les gars là? Tu peux continuer pour commencer, ne pas rester sur un trottoir. Ouais, tranquille. Faut lui casser les couilles. Tu veux pas qu'on cherche Barberousse? Hein? Ouais, bah oui, mais faut. Tu veux pas qu'on cherche Barberousse? En vérité, faut qu'on ait plusieurs véhicules, tu vois, parce qu'un seul c'est pas assez. T'as envie de prendre le tien? Ouais, bah dépose-moi au pire, je vais prendre le mien. Tu veux pas dire de bonjour à ton patron, hein, Gustavo? Ah, c'est faux, je peux prendre l'hélico au-dessus. Hein. Non, mais même moi je peux prendre le truc de SMS, mais non. Ouais, mais après, moi je m'en bats les couilles parce que j'ai quand même. Dans 3 jours, je pense que j'y suis plus, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, dans 3 jours, je pense que je fais plus partie d'équipe. Vas-y, descends et va prendre le véhicule. T'en profiter, tu vois. Ok, le sport, ça me connaît, allez, on va finir. Bah, mais frère, il y a une caméra juste au-dessus, quoi. Est-ce qu'il utilise sa tête, lui, des fois? Je sais pas, frère. C'est toujours des beaux véhicules ici. Ça te rappelle quoi, là? Bon. Ça te rappelle quoi? Mec, je te montre. Ah oui. Je te montre ce que j'ai fait hier ou pas? J'étais là, frère, regarde. J'ai fait ça, je vous dis, je vous laisse mon taxi ici. J'ai fait ça, frère, regarde. Le taxi, frère, il était là, il était ouvert. Vous avez juste allongé, prendre le taxi et vous barrer comme ça dans cette direction et c'était propre de ouf. Ah ouais. Pourquoi vous avez pas fait ça? Ah, mais moi je savais pas qu'il était garé là. Mais en fait, moi je pensais qu'il était à l'autre côté des escaliers. Bah non, sauf pas qu'il du fallait tout. Qu'on monte les escaliers, qu'on se casse, tu vois. Et après, au final, on a quand même réussi à partir donc. Ouais, mais bon. Pas Ben, mais bon, apparemment. Ça me casse les couilles pour Ben, quoi. Ouais, mais je sais pas, ça me fait chier. Qu'est-ce qui se passe, Gibril? Quand je donne des infos, je vois en radio. Faut qu'il y en ait un de vous deux en fait, soit toi, soit Dick qui reste en radio. Ça, c'est le chinois. Toi, Gustavo, tu restes en radio. Ok.
Bon, tu vas... Ok. Ok. Qui c'est Camille Frogram Comico en ce moment même. Hmm. Non, qu'est-ce que Camille fera Comico en ce moment même? Parce qu'il m'a dit qu'il y avait le véhicule de Dino et Camille. Bizarre. C'est vraiment bizarre. Ah, c'est bizarre. Je vais aller voir où j'ai les mécanos. Il y a Camille et Dino au Comico. J'ai vu la moto de Camille et la voiture de Dino. Ouais, je vais faire un tour au mécano. Comme tu as là, ouais. Tu pourrais te faire contrôler ou pas? Non, c'est pas un motif, ça va pas quoi. Au pire, moi je me fais contrôler, tu vois. Propriétaire, tu vois. Toi, t'es mon client, t'es derrière, tu vois. Je me casse comme ça. Je peux très... Ouais, je vois. Je peux très bien être un chauffeur privé, tu vois. Genre, je te dépose d'un point A à un point B, tu vois, et c'est tout. Hein. Et... Mais monsieur, vous êtes habillé bizarrement pour un chauffeur privé. Bah ouais, bah, la fantaisie. Tu vois, je me mets à la place d'un flic, tu vois. Eh gros, si je reste comme ça, tu crois que ça passe? Ouais, de ouf. Attends, je vais acheter des bouteilles, tout ça. Il va rester comme ça caché tout le temps, tu vois. Mais si, il revient dans 2 minutes. 2 minutes. Eh. 2 minutes. Non, on fait des faritas. Ferme là, wesh. Alors, on va prendre 15 et on va prendre 15, voilà. Allez, $300, au calme. Contact, vu qu'il a envoyé un message. Contact, comment il s'appelle? Ouais. Essaye de demander un rendez-vous avec El Chapo. Mais ouais, pour quelle raison? Bah, demande-lui, dis-lui pour les papiers, ça donne quoi? Parce qu'il a dit, je vous tiens au courant. Ok, vas-y. En fait, demande-lui par mail, il te répond par mail, tu vois. Vas-y, bouge pas. Attends, je me mets dans un endroit, c'est qu'il casse pas les couilles, tu vois. Ouais, tranquille. Je vais me mettre à gauche là. T'inquiète, il y a une entreprise. Ah, tu mets tout droit, tu peux te mettre. Continue. Ici, si c'est à. Dès que tu peux rentrer dans la droite là, ouais, c'est bon. Salut les mecs! T'as dit quoi, Dana? Ah, ok. Bon, mais au parking central. Ok. Bon, je contacte Rapo. Je dis bonjour monsieur pour venir avoir un rendez-vous concernant les papiers de mon ami. Allez, c'est bon. Je dis bonjour monsieur, pouvons-nous avoir un rendez-vous concernant les papiers de mon ami? Allô? Ouais, je t'entendais. Ok. Ouais, je dois aller à la station là. Et tout ça, c'est un peu mon quartier là. Et de la famille là, ici. Ouais. Tu vois, je donne mon argent là. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes toi? El Barrio, c'est ça? El Barrio. Et... El Barrio. El Barrio. On connaît ce qu'il y a moi. Comme les pâtes et Barria. On va aller vite fait mécano là. Voir si Riles il est pas là ou l'Arby, un truc comme ça. Bon, faut vraiment éviter qu'on traite auprès de Comico, d'accord? Bah oui, t'inquiète. C'est Riles? Dis, tu veux chez Riles là? Ouais. Ouais, c'est quoi ce véhicule là? Lequel? Ouais, ah ouais, j'avais pas vu. Je sais pas. Ouais, ces derniers temps, ils boycottent le garage ou quoi, les gens? Je sais pas, en même temps, il est pas là, je crois, Riles. Hein. Du coup, tu veux qu'on bouge là? Est-ce que t'as des gens à voir, des trucs à faire? Est-ce que tu dois aller voir, je sais pas moi, quelqu'un en particulier? Moi, je suis ton chauffeur, hein. Chauffeur et garde du corps. Pour les mecs qui te touchent, j'ai les nix à race. Parle avec qui depuis tout à l'heure? Je parle avec toi. Ah merde, t'es pas entendu, t'es ouais, quoi? T'es sérieux? Je t'ai dit, moi, je suis ton chauffeur et ton garde du corps. Tu vas aller voir qui là? Ah. Est-ce que t'as des gens à voir là? Ok. Ouais, j'ai envie de soulever certaines personnes, ouais. Ouais, je sais, mais faut déjà les croiser, tu vois. Barberousse. Attends. J'envoie un message à Anastasia. Ah, c'est vrai, pas de signal. On envoie un message à Marocuino et Anastasia. RS. Et toi, ton côté? Reda, le mec aux cheveux bleus là? Ok. Et il devient quoi lui? Là, il a rendez-vous avec une personne importante, elle va lui acheter une voiture apparemment, je sais pas. Okay. Comment ça, quelqu'un va lui acheter une voiture? Il y a quelqu'un qui va lui acheter une voiture, quelqu'un d'important, il peut pas me dire son blasé. Il fait la pute fait ou quoi? Ouais, moyen, je suis en train de regarder là, il m'a dit dépose-moi au parking, je le dépose au parking frère. Et là, je regarde. Taxi toi. Non mais je l'ai croisé à l'hôpital tu vois. Il m'a dit ouais, moi tu me déposes. Il dit vas-y. Parce que si c'est une personne importante qui donne des soins à tout le monde tu vois et tout, il y a moins que ça. Ouais. Donc je reste, je guette fort. J'attends la réponse d'El Chapo. Alors si après ça on se fait quand même contrôler, je comprends plus. Écoute, tu as une casquette dans une voiture. Ah oui c'est vrai. Ouais j'avais oublié putain. C'est vrai que je suis grillé là. Ah ouais. Tu as des choses à te reprocher. Pas très bien, hein. Oh, t'en m'emmènes dans le barrio, là. C'est qui a klaxonné? C'est moi qui a klaxonné. Bon, ils ont même des grosses pancartes, Mountain, je sais pas quoi, là. De ouf. Tu veux faire quoi, là? Ah, sincèrement, moi, j'ai pas te mentir. En vérité... Ouais, en vérité, faudrait que nous, on reste en stand-by et que c'est Dibril, en fait, qui fasse le tour, tu vois. Qui se fasse, entre guillemets, un peu plus remarquer que nous, tu vois. Et dès qu'on a une info sûre, on débarque. Vas-y, ça marche. Parce que, tu vois, si nous, on commence à se faire griller, les flics, ils vont venir se focus sur nous. Ça va être relou, ça va partir en contre-identité. Voilà, et frère, ça va partir en cacahuète, en vérité. Ouais, mais de toute façon, là, je suis en train de regarder Reda. Moi, je reste avec Oak, là, tu vois. J'ai, au cas où ça part en cacahuète, moi, je suis là, tu vois. Ouais, moi, je suis au parking rouge, premier étage, frère. Je regarde Reda pour voir qui va venir. Et c'est, t'as le numéro de Samy ou pas? Samy qui? Shakiri. Ah ouais, non. Attends, je l'appelle. Ouais, quand on peut prendre ses cousins, il est en cellule.
Ouais, de ouf. La personne au poste 2, 1, 3, 4. Il va demander à récupérer un badge pour le libérer. Occupé ou téléphone éteint, je sais pas. Oh, il est suspect, lui, regarde. Quoi? Sur une plage jaune. Je vais aller le contrôler. Pourquoi il s'est garé sur une... C'est bizarre. Le stop, c'est 4 secondes, on est d'accord. Regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là, regarde celui-là. Il a des vies de tenter aussi, hein. Muy, muy estrecho. Muy estrecho. Hola, hermano. Hola, ¿qué tal? Ah, ça partit en couille. Oh, t'inquiète, cousin Emilio. Vas-y, pousse-toi, pousse-toi contre le mur, là, comme ça. On est indétectable, frère. Ah. Hey, Emilio. Non, non, c'est Anastasia, mais... c'est pas Zafaris, ou pas? Non, c'est Anastasia, mais Alvarez, je dois le voir, il doit me régler pour son logo. Je vais le voir. Hé, Gustavo, tu veux pas qu'on aille s'habiller en mode hood? Mais... En mode barrio. Si, moi il était déjà habillé en mode barrio et t'as bien vu, ils sont venus me contrôler, mais... T'as raison. Tu vas t'habiller dès que tout à l'heure. Ben... Parce que moi il était dit. Moi, je me suis renseigné un peu sur les quartiers. Ouais. T'as les violets, c'est les blacks, les balas. Ouais. T'as les familis, c'est les verts. T'as les vagos, c'est les jaunes. Ouais. Et t'as les... Les marabunta, je sais pas quoi, les bleus, c'est qui j'étais habillé. Bah là c'est les jaunes c'est là. C'est des hispaniques. Bah là c'est des jaunes, mais te rappelles pas, sur Twitter il y avait des gens qui étaient des vagos, donc ils pourront nous griller, tu vois. Ouais. En fait il y avait des gens, ils disaient ouais, rejoignez les vagos. Mets-toi contre le mur, mets-toi contre le mur. Colle le mur. Voilà. Ouais. Attends, radio vert, radio. Qui est parti avec Reda Silva? Reda. Ah ouais. Je crois, je suis pas sûr que ce soit lui, tu sais, c'est le véhicule noir, un peu mafieux, vitre teinté et tout. Attends, Reda il est parti qui avec Da Silva? Ouais, je crois. Ça doit être lui, c'est 90% c'est lui en fait. Ok. On a la plaque de son véhicule en plus, je l'avais pris. Pourquoi il serait parti avec lui? Aucune idée. Apparemment, il m'a dit il va m'acheter un véhicule et tout. Da Silva va acheter un véhicule à Reda? Ouais, apparemment. C'est lui la personne importante? Ouais, apparemment. Ok. Je suis en train de les suivre, tu vois, discrètement. Vas-y, ils vont vers où là? Ils se dirigent vers où? Concessionnaire? Ils vont vers le concessionnaire là. Ça veut dire que le mec il a déjà les sous sur lui? Ouais. Ouais. Bah. Ah, s'il a les sous, bah, faut être sûr qu'il ait les sous quoi. Il a coaché tout droit après le concessionnaire. Donc il s'est paré ton concess? Non, il a coaché tout droit. Il a pris à gauche. Il va peut-être retirer l'argent alors. Au pire, on peut l'attendre au concessionnaire, hein. On se met en position. Dès qu'il arrive au concessionnaire. Non, laisse-le, ça sera. C'est pour Reda, on s'en bat les couilles, tu vois. Au moins, il aura une voiture, tu vois. Moi, je lui avais dit, si dans 2-3 jours, tu fais pas de conneries. Mais là, il s'appelle 2-3 jours, tu vois, il est discret, genre et tout. Même moi, je l'avais même pas vu, tu vois. Pourquoi il se cache, lui? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? On va s'habiller en street ou pas? Tu veux? On va essayer d'aperçu. Vas-y, hein, vas-y, go. On va prendre des risques, on va s'habiller en jaune. Monte derrière. T'inquiète, en fait, on va s'habiller tout de jaune, d'accord? Alors, tu entends? Ouais, je suis concentré dans ma conduite. Tellement concentré qu'il n'arrive plus à parler. Non mais j'ai branché, tu sais, le volant spécial. Ah, donc il est pas parti au concess, ok. Nous on va juste changer maintenant, donc si on passe normal, d'accord. Je viens de le voir, là, il est à côté de moi. Il est au comico, frère. Encore. Tu m'as dit quoi? Pourquoi tu parlais pas? J'ai pas entendu. Ok, j'ai pris par les radios. Tranquille, vas-y, on y va. Je dis parce que j'ai mon volant personnel. C'est un volant spécial. Ok. Alors, el barrio, aux couleurs del barrio. Ok. C'est jaune, hein, on est d'accord. Ouais, coupe ta radio. Ouais, ça veut dire ferme ta gueule quoi. Moi j'ai. Non, c'est ce que tu m'as dit ferme ta gueule. Ah, tranquille. C'est où le truc à... Ça c'est jaune ou pas? Ouais. Ah, là j'ai entendu la voiture et tout. C'est bon ça passe ou pas? Ouais. Ah ouais. Attends, je vais voir les autres trucs. C'est le numéro hein, du catalogue. C'est quel numéro du catalogue? Je sais pas frère, c'est toi qui avais le vêtement devant toi. C'est numéro 62. 62. Fermé, je me suis retenu. 62. Ferme ta gueule. Ok. Ferme ta gueule. Arrête. Je vais te dire à ma mère. Ok, arrête, d'accord. Dans le crâne chaud. Tu te la dans fais. Ta mère la canette. Ton père l'ouvre boîte. Ton oncle la pulpe. Ta mère la chauve. Ta sœur le nectar. Ta grand-mère le micro-ondes. Ton père le décapsulaire. Voilà, c'est bon. Je savais pas que j'avais fait de la muscu. Non, t'en as pas fait. Ouais, j'étais sérieux, frère. T'as vu comment je suis. Attends, les chaussures, wesh. Ouais, chaussures, ça va pas. Ah ouais, enlève tes chaussures marocaines. En tout bon. Ouais, je te mets la dégaine. Tu m'as dit que t'as des chaussures comme ça, frère. Oh, ouais. Ah, tiens, toi, un classique. Après, prends l'accent. Là, c'est bon, là. Voilà. Voilà Miguel, c'est ça? Comment tu t'appelles encore? Voilà. Moi? Miguel. Wesh. Je m'appelle Miguel Vagos. Jacques Michel.
Jacques. Jacques et Michel. Ou... toi, t'es un badass, toi. Moi ? Bah ouais, toi. Vas-y, frère. Théma, je suis beau gosse, là, ou pas ? Oh, ouais. Lysopine. Vas-y. C'est... Avec Jiva, oh, avec Jivamine, c'est Jiva bien. Oh, c'est très bien. Jiva bien, Jivamine. Oh putain. C'est très très bien. Oui, c'est... vous avez le même véhicule. Jiva bien, Jivamine. Bon, on fait quoi là ? Sois sondé. Ouais, hey, ils font tout sauf acheter un véhicule, Reda, les trucs, hein. Hmm ah ouais. Ils font tout sauf acheter un véhicule, frère. Ah ouais. Ah, frère, ils étaient en train de tourner autour du Comico. 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 Pas de nouvelles de... El Chapo. El Chapo. De la weed, des pesos. Franchement, les gars, hashtag libéré Ben, hein. Ouais. Faut que ça passe en tendance sur Twitter, hein, j'en ai rien à foutre. Hein. Ah, t'inquiète même pas, on va lancer le hashtag, frère. Voilà, j'ai envie de soulever un flic ce soir là. Rien que parce qu'ils nous ont cassé des couilles hier. T'es chaud ? Bien sûr, je suis chaud, frère. Bah, si tu veux, je pars en course poursuite, frère, avec un flic. Je le ramène dans un endroit, tah, vous le soulevez. Bah, faut qu'on soit derrière aussi. Faut pas qu'il y ait de renfort. Non, mais vous allez à un endroit, en fait. Allez, on le soulève. Mais moi, je ramène le flic. Je fais une course poursuite. On ramène dans le barrio. Le barrio, c'est un peu chaud, frère. Bah, la dernière fois, on l'a fait comment ? Ah, moi, on va se faire allumer au barrio. Bah, non, la dernière fois, on a fait ça. Hein ? Non, mais je veux dire, après qu'on l'ait soulevé, on l'emmène là-bas. Oui, on fait pas la course pousse là-bas. Ah, bah, non. Ah, frère, je suis autour du barrio, frère. Hey, les mecs, est-ce que je vous amène ? J'en ai plus rien à foutre de la vie. Oh là. Ah, mais un flic, il vient de sortir, frère. Bon, on fait quoi là ? On va pas au barrio ? Je sais pas, j'attends de voir. Qu'est-ce qu'il fait l'autre là ? Frère, ils sont posés, les flics. On dirait garde l'entrée. Où ça ? Ils sont devant le Comico, frère. Ah ouais ? Devant le Comico, bras croisés, ils attendent. Vas-y, passe et tire dessus. Non, je rigole. Je mec. Mec, il passe. Là, en vrai, ce que je pourrais faire, c'est passer avec un mec qui veut le voler et l'amener à un endroit. Putain, Rilas, il est même pas là pour nous donner des informations et tout. Des infos, il aurait pu nous avoir des infos parce que je lui avais dit de creuser un petit peu la piste Megan truc là. Ouais. Il m'a dit qu'elle allait se renseigner. Il m'avait dit par mail apparemment il l'a vu cet après-midi et que soi-disant, elle serait pas genre elle serait en fait contrainte à ne plus croiser en fait Rilas. Genre en gros elle a dû recevoir des menaces de la part de Hort pour ne pas Hort ou Vagos hein. Ouais, pour ne pas traîner en fait pour ne plus traîner en tout cas avec Rilas. Ouais, elle est souvent avec Hort hein. Moi je l'ai vu qu'avec Hort dernièrement. Reste tranquille. Ah, c'est mort pour elle en fait si elle continue à le voir. Juste si tu vois, c'est quartier gros street, tu vois, c'est quartier black et tout ça, vert et violet. Ouais. Donc, si on s'est mis on demande qu'est-ce qu'on fait là, tu vois. Faudra pas leur dire on est chez nous, tu vois. Non, bah non. Ils vont dire ceux-là ils sont cons. Bah non, mais non. Mec, on a le droit, c'est l'été, frère. C'est la couleur de l'été, jaune, tranquille. C'est arc-en-ciel. Pourquoi vous voulez pas un véhicule de Vagos là ? Il y en a plein. Ils sont modifiés et tout, frère. Ouais, on va éviter, hein. Pour choper le flic. Si c'est pour donner des idées pour qu'on se fasse choper, frère. Mais c'est pour choper le flic, il a déjà envie de choper un flic, frère. Ouais, mais bon, ils vont avoir un modèle, ils vont savoir, tu vois. Ils vont revoir la signalisation. En gros, oui, mais justement, en gros, ils voudraient les attirer avec ça. Mais frère, ils vont arriver à 2-3 voitures. Dans tous les cas, faut trouver un flic. En début, c'est de merde. Si on doit faire une course dessus, c'est baisé, frère. Mais t'as pas besoin, tu voles le véhicule, tu le laisses sur place, frère. Ils vont en déboucher. T'en as un qui se met au milieu de la route, il fait le mec coma. Ils vont descendre du véhicule ou un bail comme ça. Ah ouais, ils vont arriver en mode vol de voiture, coma. Ah ouais, tout tour en même temps. Ah ouais. La totale. Il va lui demander attends, toi, il va tout sortir. Il y a un nouveau flic apparemment, il y a Barberousse là, je l'appelle comme ça. Enfin, moi en tout cas, il me dit rien, tu vois. Ouais. Oh, c'est Ben ça ? Quoi ? Ben, t'as dit ? Je sais pas, j'ai vu un mec qui a la même coupe que Ben, frère, il marche. Wow, devant vas-y. Le Comico. Bah vas-y, c'est moi, c'est moi. Putain, c'est un chien, moi. On fait pas des trucs comme ça, là, putain. Ouais, il a mis sa meuf, tu sais. Putain. Il t'a mis quoi ? Bon, pas grand chose, 950 d'amende. Combien ? Puis 20 minutes de taule, quoi. 950. Ah ouais, t'avais combien sur toi ? J'avais beaucoup d'argent sale, j'avais 2000 et quelques. Ah ouais. Mais j'avais plus de. T'as pris un argent sale ? Non, j'ai pas pu. Mais de prix, c'est bâtard. Tu faisais quoi ? J'ai fait le mec opérationnel que j'étais. Ouais, j'étais en train de vendre à la plage, tu vois. Et okay. J'étais tranquille, en plus, il faisait nuit, j'étais bien caché, je sais pas combien ils m'ont vu. Eh, hey, mais je t'ai raconté tout à l'heure ce qu'ils m'ont fait, frère. Non ? J'étais tranquille. J'ai passé une fois, tu vois, juste pour voir le point. Je l'ai donné à la radio, je me suis cassé. Parti sur la toit, j'étais même dit, ah, j'ai une putain de vue, tu vois, ça va ou pas ? Ce qui se passe, c'est que genre 10 ou 15 minutes après, genre vraiment pour me casser, je passe à côté, mais genre, enfin vraiment, genre à côté, mais je continue normal, tu vois, et je pars. Et c'est genre à 200, 300 mètres plus loin, tu vois, ils klaxonnent, ils me disent, mettez-vous sur le côté, vous êtes à côté d'un point chaud. Ouais, mais dis-moi ça quand je.
je suis vraiment à côté du point chaud, tu vois. Et genre, le truc, c'est que j'ai pas de courage, je fais ok, je me suis sauté et bam, j'ai accéléré, je me suis cassé, quoi. Ah oui, ouais, et je t'ai pas dit, ils ont tasé ma moto, hein, heureusement. Ils ont tasé ma moto. Frère, à un moment, ils s'accueillent, moi. J'ai fait un demi-tour, j'ai entendu un pzzz sur ma moto, tu vois. Mais ça, c'est pas autorisé, ça. Ils ont pas le droit. Non, ils ont pas le droit. J'en sais rien. Non. Ils ont pas le droit d'utiliser leurs armes. Rien comme l'ambiance est à la droite. Pouh hey, hey. Avec sa coupe de cheveux là, mon gars, là. Voilà. C'est un chauffeur. Hey, Mark Simpson. Arrête, tu vas te remarquer, ouais, t'es sérieux, toi. Imagine son mari, il arrive et tout, pourquoi tu parles à ma meuf et tout. Bah, je sais pas. Mais t'es pas motivé pour aller interviewer Madriga. Moi, je trouve que c'est une bonne idée, hein. Tu veux qu'on passe à ton taf, là, ou pas? Pourquoi? On passe à ton taf. Rien à faire là-bas. Bah, tu déposes le certificat. Autant passer directement au Comico, non? Non, mais viens, on va à l'hôpital, je te fais le certificat. Mais non, tu me l'envoies... Non, mais j'ai dit que tu me l'envoies par mail. Allume tes feux. Okay. Ah, tes feux éteints, ils vont dire ça bizarre. Y'a plus de pute. Certificat, j'ai dit que ça allait être par mail. Donc tu me l'enverras par mail et je lui enverrai. Non, Anastasia, elle te le fera, c'est bon. Ouais, Anastasia, elle le fait. Attends, je vais l'appeler d'ailleurs. Attends, je t'ai pas dit. Attends, je t'ai pas dit, toi, en fait. Ah ouais, ok, attends. C'est pas tout, toi. Quoi? Attends. Putain. Sale bâtard, moi. Faut que je l'appelle parce que j'ai plus de coup. Allô? Bah envoie un SMS parce que je t'entends pas, en fait. Ah ouais, m'envoie un SMS. Ah non, même pas. Wesh, Papy Chelou, il m'envoie un message, j'ai relou, lui. J'aurais un service à te demander. Wesh, j'ai vu quoi? Papy Chelou qui m'a envoyé un SMS. Tu m'entends? Tu m'as dit quoi? Y'a Papy Chelou qui m'a envoyé un SMS. Papy Chelou? Ouais, Papy, frère. T'appelles de Papy Chelou? C'est celui-là qu'on avait soulevé. Ouais, il a besoin d'un service. Mais il est encore vivant, ce mec? Ouais, bah ouais. Putain, et j'arrive au putain, je suis dans le taxi. Je sais pas, il a besoin d'un service, j'attends qu'il me dise. Il m'a dit, des mecs m'ont demandé ton numéro de téléphone, assez bizarre. Ah, ok. Les mecs essayent de choper mon numéro, en fait. T'entends ou pas quand je parle? T'as des munitions dans ton arme? Ouais, j'en ai. Dans l'arme, tu sais quoi? Ouais, j'en ai. Ouais, il faut que je passe à la munition pour récupérer des balles. Attends. T'as y'a pas pu, il m'envoie un truc. Attends, j'ai envie de se passer. Alors attends, écoute, hein. Il m'a dit, tu veux que je... Quoi ?